parce que, peut-être tu manges le saumon chez toi. Et nous sommes, oui, peut-être c'est ça que tu manges. Mais c'était un repas d'amour. Un repas de reconnaissance. Un repas qui est toujours aussi. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, comme la communion. Alléluia. Donc, si tu as un peu d'amour, parce que l'amour c'est un don, tu vas attendre. Je voulais dire que l'amour, c'est un don qui vient du ciel. Et toute personne va demander à Dieu d'avoir l'amour. Quand tu es quelqu'un d'amour, tu vois les choses autrement. Alléluia. Et tu gagnes à la langue. Nous allons donc avoir un repas d'amour. Et chacun va manger. Il va prononcer aussi une parole de bénédiction. Pour que la bénédiction rentre aussi vers eux. Parce que la Bible dit que la bénédiction est au bout du repas. Le père dit à son fils que va d'abord tuer tes animaux, tu me donnes, je mange et je te bénis. Tu as vu maintenant, non? Donc, s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de bénédiction. Parce que tu manges l'adoration et la louange. Quand tu lui donnes la louange, quand tu lui donnes l'adoration, il mange, il te bénit. C'est la loi. C'est pour ça qu'il siège là, là il y a sa nourriture. Il siège dans la louange et l'adoration. Parce que c'est ça, phase les plus précieuses. Parce que c'est là-dedans qu'il y a sa nourriture. Vous n'allez pas changer les choses. Alors on va attendre donc pour manger et pour que nous aussi nous soyons bénis et que nos frères soient bénis. Amen. 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 Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il est bon, qu'il est bon pour les enfants de demeurer ensemble. Dans cet assemblage, dans cette communion, tu as permis des moments de réjouissance, Seigneur, comme ceci. Voici qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, au travers de cet agape, nos voix, nos mains sont levées vers toi pour te supplier, de bénir ce pain, de le purifier, de le sanctifier. Seigneur mon Dieu, de bénir tous ceux qui vont manger. Seigneur, de bénir tous ceux qui ont mis leur énergie, leur aide pour, Seigneur, que cette fête, que ce repas soit apprêté à ce moment. Seigneur, que tu bénis, Seigneur mon Dieu, ceux qui aussi au travers du monde, donc par cette occasion que nous avons ici. Laisse que, Seigneur, comme ce pain entre dans notre corps, dans notre être, que, Seigneur, mon Dieu, il soit le pain de vie que tu nous as donné, de la façon que tu es descendu dans ce monde, en même temps, de la même façon, tout ce que ça pourrait rapporter comme maladie, comme blocage. Merci parce que un repas dans ta maison n'est pas comme ailleurs. Nous savons que, Seigneur, mon Dieu, c'est une notion spéciale qui descend ici, et que toute la gloire te soit rendue. Là où, Seigneur mon Dieu, l'argent est sorti, nous savons que tu remplaces, tu multiplies parce que tu es le pourvoyeur. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus.